Silver, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une marque que j'adore, c'est Garancia. Grâce à Easy Parapharmacie, j'ai pu tester beaucoup de produits de la gamme de Garancia. On va en discuter, je vais vous donner mon avis. Et puis j'ai pu également tester deux autres produits, ici de chez Galénic et ici de la marque Ahava. Alors avant de vous parler de Garancia, je vais vous parler de ces deux derniers produits que je vous ai rapidement présenté. D'abord, le sculpteur de perfection de Galénic. Vous voyez, il se présente comme cela, avec deux flacons en fait. Et lorsque vous appuyez ici en haut du flacon, vous voyez, il y a deux sorties, deux embouts. On sort la crème. Ça fait comme ça avec les deux produits qui sortent. Vous mélangez et vous n'avez plus qu'à appliquer sur le visage. Alors, évidemment, cette marque Galénic a toujours de ces parfums doux et délicats que j'aime beaucoup. C'est un produit que j'ai adoré appliquer le matin avant de me maquiller, car ça faisait deux en un, sérum et tenseur en même temps. Autre produit que j'ai pu essayer, c'est celui-là. C'est Ahava. Je vous mettrai le nom exact ici, car on le voit pas bien ici à la caméra. Il s'agit d'une crème extrême day cream, et en fait je l'ai utilisée pour le soir car sa texture me plaisait pour le soir. Vous voyez, elle est onctueuse, un petit peu épaisse, et en cette saison j'avoue que c'est une crème qui a été parfaite pour le soir ou alors lorsque je me suis exposée au soleil. C'est une crème que j'ai utilisée là pour le coup le matin en crème de jour, car ma peau avait besoin de davantage d'hydratation. Le parfum est tout doux, j'ai adoré. Je ne connaissais pas cette gamme Ahava à base de sel de la mer morte. C'est une vraie belle découverte. C'est une crème que je vous conseille vraiment, je l'ai adorée. Passons maintenant à Garancia. Alors Garancia, je vous ai déjà parlé de ma fameuse huile ensorcelante. Alors d'ailleurs, le niveau commence à être très très bas. C'est une huile que j'adore. J'en suis complètement dingue. Elle est, vous voyez, elle est jaune comme ça, elle s'applique, mais vraiment quelques gouttes sur le visage et on va avoir cette hydratation et ce parfum qui est, voilà, démoniaque. C'est pas pour rien que c'est ensorcelant. Voilà, c'est une huile, mais vraiment, c'est un vrai, vrai coup de cœur. Je l'utilise comme on utilise un sérum, mais c'est vrai que le soir, avant de me coucher, il m'arrive d'en remettre et d'en re-remettre. Alors déjà parce que je suis complètement accro au parfum, mais aussi parce que je recherche le plaisir que l'on a à l'appliquer, qui permet d'avoir une peau bien assouplie. C'est vraiment pour moi le top. Dans la même idée, on a ici l'Immortal Express Shot. C'est un sérum énergisant booster anti-âge qui contient la molécule MEG6P, voilà, qui est donc anti-âge. Ils appellent ça sang dragon, comme le sang du dragon, n'est-ce pas? C'est une cure de 15 jours. Alors bon, là je l'ai terminé. Comme un sérum, c'est très très bien. On applique vraiment facilement ce sérum. Par contre, au niveau de l'effet, là, pas aussi bien quand même que mon huile ensorcelante, mais c'est un excellent sérum. Pour reprendre le parfum de l'huile ensorcelante, on a ici la formule anti-peau de croco pour le corps, qui raffermit, gomme sans grain, nourrit et hydrate pour 24 heures. Bon, on retrouve le parfum de cette fameuse huile ensorcelante. La texture, elle est toute douce, c'est plutôt liquide, on dirait presque un lait. Alors pour moi qui n'ai pas la peau très très sèche, c'était parfait. Par contre, quand on dit anti-peau de croco pour une peau extrêmement sèche, je pense que la texture n'est pas assez épaisse et c'est pas assez hydratant. Mais pour moi, ça a été parfait. Moi qui n'aime pas trop les crèmes très épaisses pour le corps, qui n'est pas la peau très sèche, cette formule ensorcelante anti-peau de croco a été largement suffisante pour moi. Autre produit que j'ai pu essayer, ça je l'avais acheté dans une petite trousse spéciale Garancia, c'était l'eau démaquillante micellaire. Alors là, c'est un petit flacon. Ce que j'aime beaucoup, c'est son parfum. Là aussi, alors ça sent l'amande amère, vous savez, la colle Cléopatra, ça va vous rappeler des souvenirs. Alors rien que pour l'odeur de donc douce amande, ils appellent ça. L'eau micellaire est très bien, bon c'est pas suffisant, vous le savez, pour le maquillage waterproof, pour tout ça, mais par contre pour le matin, pour nettoyer la peau, pour moi elle a été superbe. Alors cette odeur de colle Cléopatra, moi je suis tombée sous le charme.
Autre produit de la gamme Garancia que j'ai pu essayer, c'est celui-là. Alors, il s'agit du soin de teint transparent en poudre liquide. C'est un sublimateur de teint, effet lumière, anti-rides, anti-pollution. Il s'appelle hallucinogène. Eh bien, moi, là, pour le coup, c'est rare, mais il ne m'a pas fait halluciner. Lorsque je l'ai appliqué, j'ai pas trouvé cet effet poudre qu'on attendait, en fait, que je pouvais attendre. C'est vrai que la peau est plus mate lorsqu'on l'applique, mais sur ma peau, alors c'est peut-être ma peau qui réagit mal, ça me faisait des traces blanches. Alors on vous dit bien qu'il faut l'appliquer rapidement et surtout pas beaucoup le travailler, sinon il ne va pas donner l'effet attendu, donc j'ai fait ça rapidement, mais moi, avec ma peau, ça a dû faire, je sais pas, enfin c'est pas une réaction, hein. Ça a fait des petites traînées blanches, et puis j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ben voilà, pour le coup, pour une fois, la Garancia, ben j'ai pas compris. Voilà, il va falloir m'expliquer pourquoi je n'y suis pas arrivée. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Alors si vous le savez, dans les commentaires, comme d'habitude, peut-être vous l'avez essayé et vous êtes arrivé à vous en servir. Alors dites-moi pourquoi j'ai pas compris. Il y a peut-être quelque chose. Pour terminer, j'ai pu essayer deux masques de chez Garancia. Alors on va commencer par celui-là. C'est la gamme Bal Masqué, tous les masques s'appellent Bal Masqué. Vous savez que chez Garancia, il y a toujours des noms très très originaux. Donc c'est Bal Masqué des sorciers, c'est toujours une histoire de sorcellerie. C'est le masque high-tech, liftant, hydratant, repulpant, gelée de soie désaltérante. On attend des résultats immédiats, un effet coup de jeûne immédiat. Alors n'exagérons pas, avec ça j'ai pas perdu 10 ans, non c'est pas vrai. Par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est son application, c'est comme un gel que vous appliquez sur le visage, là aussi il faut aller assez vite. Et puis en fait le gel va rapidement sécher et avoir cet effet tenseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez même le garder toute la nuit. Vous l'appliquez, vous laissez sécher, ça va donc tirer un petit peu. Avec un coton humide, vous passez rapidement et vous le laissez toute la nuit. Sinon l'usage habituel, c'est 5 minutes. C'est ce que j'aime bien chez Garancia. Ce sont des masques en général rapides ou alors qu'on peut laisser plus longtemps pour avoir une action prolongée pendant la nuit. Vous pouvez l'utiliser une à deux fois par semaine ou alors si vous voulez cet effet tenseur, et bien juste avant une soirée. Donc là, c'est 5 minutes d'application. Ensuite, avec une lingette comme celle-ci, alors moi, mes chouchous sont celles des tendances d'Emma, vous le savez déjà, vous le voyez sur Instagram, je les utilise tout le temps. Donc, vous utilisez une lingette légèrement humide, vous passez comme ça et vous n'avez plus qu'à vous maquiller et partir à la soirée. Pour terminer, un gros coup de cœur pour ce masque-là. Alors, il s'appelle toujours Bal Masqué des sorciers, le masque high-tech, purifiant, oxygénant, éclat. C'est un produit qui fait des bulles d'oxygène actives qui est auto-moussant. Vous allez voir ce que c'est. Résultat immédiat. C'est un masque, il est génial. Vous allez voir, il faut l'appliquer assez rapidement sur le visage parce qu'il va commencer à mousser. Et vous allez le laisser mousser, ça dure environ 5 minutes en temps réel. Et là, petit à petit, le produit va se rétracter et disparaître. Et pour le peu qui va rester, bah moi j'ai utilisé mon gant là aussi des tendances d'Emma, j'ai enlevé le surplus de masque, j'ai rincé avec le gant. Et voilà, en moins de 5 minutes, le masque était fait et on trouve cet éclat du teint qui est vraiment extraordinaire. Alors, et vous, avez-vous testé certains de ces produits et en particulier des produits de la gamme Garancia? Alors moi, il y en a encore quelques-uns que je n'ai pas essayé, comme le Pchit Magique. J'ai entendu aussi parler d'autres produits de chez Garancia. Il y a toujours des nouvelles formulations qui sortent sur le marché, qui sont toujours très originales. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être en avez-vous essayé un certain nombre d'entre eux. Moi, j'ai un vrai coup de cœur, vous le savez, pour l'huile. L'huile ensorcelante et puis pour ces masques des sorciers qui sont très originaux et puis on sait exactement le temps pendant lequel on doit les utiliser, notamment avec le dernier et sa mousse. En quelques minutes elle disparaît et là vous savez que le masque est fait et terminé, et puis c'est toujours très rapide, 5 minutes. Oui, je sais, ce n'est pas la même vidéo, mais j'avais quelque chose à rajouter car depuis le tournage de cette vidéo, Easy Para Pharmacy m'a envoyé ça. C'est ça, c'est de la bombe. C'est en fait, c'est le Pchit Magique de chez Garancia. C'est un micro-peeling sans grain qui vous fait une peau magnifique. L'utilisation, c'est ultra simple. Vous mettez deux pchits de cette mousse dans les mains. Vous massez bien le visage avec. Vous laissez la mousse se rétracter. Vous allez voir, elle va disparaître petit à petit. Ensuite, vous rincez. Et voilà, vous avez une peau magnifique. Puis en plus, un parfum. Vous savez que je suis accro, hein, voilà. Allez, c'était la petite chose en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Et vous actionnez la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Oh,
je respire, mais aussi pour être informée de mes lives qui ont lieu tous les vendredis à 18h et que je vous invite à rejoindre car on s'y amuse beaucoup, il faut le reconnaître. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, vidéo de la miniature. Ouais, chez Easy Parapharmacie, ils savent, hein, ils savent que j'aime les choses originales. Donc Garancia, c'est toujours très très original. Alors mon huile en sorceland, j'en suis dingue. L'antipotroco, si on est très très potroco, c'est pas suffisant, mais sinon ça va. Mon petit flop, c'est ça. Enfin, j'ai pas compris, j'ai dû rater un épisode. Le sérum, il fait bien son job, hein, mais bon, ni plus ni moins qu'un autre, mais il fait bien son job. L'eau micellaire, oh là là, cette odeur de col Cléopatra, ça déchire. Galénique, top, ça fait sérum et soin en même temps, c'est vraiment tip top. La crème A va au sel de la mer morte. Au sel de la mer morte, je vais y arriver, c'est une vraie découverte. Puis alors ces masques de chez Garancia, moi j'en suis dingue. Ouais, autant dire, j'adore. Allez, ciao.